Bonjour, je m'appelle Mélissa Strini-Beaulieu, médaillée d'argent aux Jeux olympiques de 2020. En fait, j'allais dire 2021, mais non, c'est les Jeux olympiques de 2020. Je voulais parler à la communauté de Plongeurs Québec ce matin pour vous partager mon expérience que j'ai vécue cet été, non seulement aux Jeux olympiques, mais du parcours puis du cheminement que j'ai eu la chance de vivre tout au long des dernières années. Évidemment, comme vous le savez tous, puis tout le monde a été atteint par la situation de la COVID-19. Ça a été un beau défi dans les deux dernières années de concilier plongeon, puis tout ce qui se passait dans le monde. Puis pour ma part, j'ai tout à fait été capable de passer par-dessus, puis ça a tellement rendu mon expérience encore plus enrichissante puis valorisante. Quand je suis arrivée aux Jeux olympiques, en effet, c'était mes premiers Jeux olympiques. Puis lorsque, au début, les Jeux ont été annulés, puis reportés, moi, ça a tellement été difficile parce que je pouvais pas croire que j'étais si proche du but, puis tout mon rêve s'éteignait. Mais à la suite du report des Jeux, j'ai vraiment retrouvé ma motivation pour continuer à pousser jusqu'aux Jeux olympiques de 2020. Pour moi, j'étais arrivée aux Jeux olympiques, puis c'était un rêve qui devenait réalité. J'ai apprécié chacun des moments que j'ai passés à aucun entraînement, au village, sur le bord de la piscine. C'était une expérience exceptionnelle, puis je suis vraiment reconnaissante d'avoir vécu ça dans ma vie, puis j'espère que ça va se reproduire de nouveau. Puis je voulais remercier tout le monde pour le support. On se rend pas là tout seul, puis ça part des fédérations, ça part des gens qui nous encouragent, des entraîneurs, de la famille, des amis. Puis, Plongeon Québec, ils m'ont toujours soutenu là-dedans. Donc, je voulais dire un gros merci. D'avoir le soutien des gens quand tu es à l'extérieur, puis dans un enjeu aussi grand, ça fait chaud au cœur. Puis, je pense que c'est ça qui m'a vraiment permis de me concentrer sur moi-même, puis de livrer une bonne performance aux Olympiques. Justement, c'était tellement une belle expérience. Les Jeux olympiques, j'y rêve depuis. Ben, j'y rêvais depuis que j'étais tout jeune. Mais à un certain point, c'est difficile de voir ce rêve atteignable puisque ça prend tellement d'années puis tellement d'entraînement puis que c'est un peu dur, c'est un peu facile de perdre de vue l'objectif final puisqu'il y a tellement d'étapes. Puis le meilleur conseil que je pourrais donner aux gens qui ont ce rêve, puis qui chérissent le rêve olympique, c'est de vraiment se dépasser à tous les jours. Chaque journée compte. Puis de faire le meilleur de qu'est-ce qu'on peut faire à tous les jours. Puis une journée s'accumule, puis une autre journée, puis une autre journée, puis on se rend aux Jeux olympiques. Moi, ça m'a pris 22 ans, 21 ans me rendre là, mais c'était tellement inoubliable. Mais pas nécessairement juste l'expérience olympique, mais tout le cheminement. Si vous voulez, vous pouvez. Dans le fond, on décide de notre destin, puis pourquoi pas vous? Dans le fond, moi, c'est ça que je me suis dit. Pourquoi pas moi? Pourquoi que je serais pas la personne qui va aux Jeux olympiques puis qui a une médaille? Ça prend du travail, oui, mais du courage puis de la ténacité. Puis jamais perdre son objectif de vue. Puis, un dernier conseil que je pourrais donner, c'est aimer ce que vous faites. On est tellement chanceux de pouvoir plonger avec une si belle communauté. Moi, je dis toujours aux enfants, il faut aimer qu'est-ce qu'on fait. Si c'est une passion, on est vraiment chanceux de pouvoir la faire tous les jours. Donc, profitez du moment. Puis, j'espère que ça va donner espoir aux jeunes de continuer puis de pousser parce que chaque personne peut le faire. Faut juste y croire, puis croire en nous. Même si les choses ne se passent pas nécessairement de la même façon pour tout le monde, puis par exemple, justement, avec la COVID, ça a été des Jeux olympiques totalement différents. Ça a été des Jeux olympiques qui ont marqué l'histoire. Ça a été mes Jeux olympiques à moi. Puis ça n'a pas été moins important ou moins beau. Les gens me disent « Ah, c'est tellement plate que tu as vécu tes premiers Jeux comme ça. » Mais au contraire, moi, c'est tellement mémorable. C'est contextuel, donc mes Jeux étaient pas moins bien que d'autres Jeux parce que c'était la COVID. C'était justement une expérience différente
qui va jamais se reproduire par la suite. Donc vraiment, on apprécie qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on a. Puis moi, quand je suis arrivée dans le village, j'étais immobilée, j'étais impressionnée, puis j'étais tellement heureuse d'être là. Donc, COVID, pas COVID, pour moi, c'était une expérience exceptionnelle. J'espère que tout le monde va bien avec tout ça, puis qu'on va avoir de la belle relève en plongeon. Puis je voulais vous remercier encore une fois pour tout le support. Merci beaucoup.